Bonjour tout le monde, ici Mononc Daily, bienvenue à un épisode spécial de Mononc Truck, oui! Vous avez peut-être décidé ou deviné, j'imagine j'ai mis ça dans le titre, mais quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui, c'est quoi qu'on va faire? On va faire Mononc Truck en VR! Je me suis pogné une bébelle, et puis je vais partager cette bébelle avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de pas trop bouger, pas trop intense... parce que si ça bouge trop vite, bien sûr, ça va rendre tout le monde malade. Et puis aussi, on est sur un nouveau profil. Là, j'utilise ça comme une caméra en ce moment, là. Mais si je pointe en haut, là, comme vous pouvez voir, si je fais ça de même, je suis en train de regarder, là. Ma tante Danielle, malheureusement, comme je faisais des tests pour découvrir comment ça fonctionnerait, cette affaire-là, puis essayer de le faire fonctionner dans un Euro Truck Simulator, ça l'a, de ce que je peux voir, effacé mon ancien profil. Ouais. Mais, en tout cas, c'est ce que c'est. C'est pas la fin du monde. J'ai pas perdu mes DLC au yen même. C'est juste que j'ai perdu tout mon progrès, de ce que je peux voir. Donc, j'ai commencé quelque chose. Disons que mon oncle Daniel, dans le monde de ETS, est décédé. Et ma tante a décidé de se revenger et de partir sa propre business à elle pour justement prendre contrôle du monde. Donc, c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on va découvrir, bien sûr, avec cette affaire-là. Et puis, ouais, on va voir exactement c'est quoi. Donc, sans plus tarder, je vais me mettre cette cochonnerie-là sur la tête. Bien sûr, ça va faire tous mes cheveux être tout fou, mais si je fais ça de même, on peut voir, là vous pouvez voir ce que je vois. Comme j'ai dit, je vais essayer de pas trop bouger ma tête autour, puis moi je vois absolument rien en ce moment. Donc j'ai aucune idée. Par contre, c'est un très beau garage, puis on dirait que je suis en train de juste flotter. Pardonnez-moi si je bouge la tête trop rapidement. Là. La question aujourd'hui va vraiment être si je prends un job, donc ici je vais faire marcher du travail, parce que bien sûr ma tante qui est en haut là, elle commence, elle a pas rien. Donc, je dois absolument prendre des jobs avec des camions qui ne sont pas mes camions. Mais est-ce que parce que j'ai cette affaire-là, ça va être plus réel, donc je vais faire moins d'accidents? C'est ça la question. Aussi, je peux malheureusement pas lire vos commentaires. je sais pas comment je pourrais lire vos commentaires en même temps. Mais bon, voici Strasbourg, ma tante, elle va pas niaiser ma tante. Là. Mon oncle, lui, il prenait son beau vieux temps là, pour vraiment comme tranquillement, pas vite, prendre contrôle. Fuck it. Ma tante, elle a 300 euros quelque part, là, je sais. Non, en haut, là, 2293 euros. Donc, on va commencer tout de suite en venant ici, prix kilométrique le plus haut. On va commencer à faire un petit peu d'argent. Puis le but, vraiment, c'est de juste aller de se pogner le plus de garages possible, le plus de chauffeurs pour nous possible. Puis go. Mais on va pas faire toute l'aventure en VR, là. On va juste faire aujourd'hui. Parce que je pense pas que je serais capable de faire ça tout le temps. Ah, les gars! Prendre une mission, voyons voir, là, bien sûr, oh, quand je fais ça, là, tout arrête de bouger, tout bouge, c'est étrange un petit peu, ça me rend un petit peu malade. Ok, puis là, pour quelque raison, il m'a mis un GPS direct, là, dessus mon écran. Pourquoi il m'a mis un GPS, c'est ça? Ok, Ah, mon Dieu, je suis dans le siège, c'est ce qui se passe. Oh, wow! Ah, c'est vraiment cool! Les graphiques au loin, c'est plate un petit peu, ils sont un petit peu blais. Mais, la roue est droite. Là, les graphiques plus proches sont vraiment... C'est vraiment quelque chose. OK, toi, GPS... ça, c'est mon micro. Oh, j'ai donné une claque à mon micro. J'espère que vous pouvez encore m'entendre. Bon, OK. Donc, on va voir. Je pense qu'il faut que je te garde parce que je pense que cette affaire-ci, il n'y a pas de GPS. Je vois pas de GPS nulle part à moins que ça, là-bas, dans le milieu de la... Hop! L'affaire, c'est un GPS. Aussi, je sais pas si vous avez entendu, il y a une madame qui vient de parler. J'ai une nouvelle assistante qui va me dire où aller. Donc, en fait, j'ai pas besoin de GPS. Parce qu'est-ce qu'elle va me dire où aller. Donc, on va juste enlever ça et ça. Oh, OK. Et voilà. Là, faut que j'utilise tous mes miroirs. J'ai pas de faux miroirs, rien de même. J'ai pas de raison. Si je tourne ma tête, je peux regarder. Mais comme vous avez vu, la caméra, elle lâche un petit peu, là. Mais bon. Let's go. C'est où est-ce que je m'en vais, madame? Elle a dit qu'elle était prête à rouler, mais je sais pas où ça va, j'imagine. Ah, oh, puis on a déjà la patente attachée en arrière, là, comme je peux voir là dans le miroir. Ok, parfait. Oh, c'est étrange, on dirait que je suis en train de flotter. Ah, oh, c'est-tu que c'est étrange? Wow! Ah, c'est... Ok. Grosse, comme bébelle, absolument inutile. Mais c'est trop le fun. C'est ça l'affaire, là. J'ai fait une mise à jour, une couple de jours, là, puis j'ai dit, il y a une vidéo qui s'en venait, là. Une vidéo d'un jeu. Un jeu qu'on joue d'habitude. Hey, c'est Strasbourg, c'est la cathédrale en face. Un jeu qu'on joue d'habitude. Mais que. À droite. Ok, elle a dit tourner à droite. Qui est un petit peu différent. Donc c'est ça qu'on fait. Là, j'ai pas de raison pour avoir d'accident parce que je peux me pencher de même. Je peux voir. Bonjour. On va avancer. Elle voulait que je tourne à droite, hein? C'est ça qu'elle voulait? Tourner à droite. Oui, j'ai pas le choix ici de tourner à droite encore, donc c'est ce qu'on va faire.
Ok, ah oh, wow, c'est tellement... C'est tellement... Le monde est beaucoup plus gros. C'est dur à expliquer, là, mais le monde est beaucoup, beaucoup plus gros aussi. J'ai une corde ici là, qui me fait aller dans le derrière. Bon, ok, je sais pas c'est quoi la vitesse limite non plus. Je vais à quelle vitesse, moi, là? Je vais à 40. J'imagine c'est 40. On va pas aller plus vite que 40. Peut-être que j'aurais à 50. Je sais pas, je sais pas trop. J'imagine la madame veut que j'aille tout droit, parce que sinon elle me l'aurait dit. Ok, faut que je me prépare à tourner à droite. Parfait, je suis prêt. Hey, là, honnêtement, là, là, je suis même pas regardé pour vous dire, pour vous parler. Hey, l'autobus. Mais, honnêtement, c'est... c'est trop cool. J'ai mal aux joues. Oh, wow, j'ai la difficulté à monter la côte. Si, envoie, camion, t'es capable. J'ai mal aux joues parce que ça serre, puis en même temps parce que j'arrête pas de sourire, parce que c'est tellement étrange. On dirait que je suis en train de conduire avec des gougounes de ski, c'est ce qu'on dirait que je suis en train de faire. Ok, je suis bon? Ok, je suis bon. Parce que ça, bonjour! J'imagine que je vais vouloir rentrer dans l'autoroute. Tenez à gauche, parfait. On s'en allait où? On s'en allait en Suisse, hein? Faudrait que je trouve une façon de patenter pour que je puisse avoir vos commentaires en même temps que je fais ça. La limite, elle est 70. On va mettre... Veuillez respecter la limitation de vitesse. Je l'ai fait à ce qu'elle me chicane si je vais trop vite. Donc, j'ai pas de raison pour aller trop vite parce qu'elle est là puis elle va me dire, comme elle vient de me dire. C'est vraiment étrange parce qu'on dirait que je suis en train de flotter sur un tapis roulant aussi en même temps. Là. C'est vraiment, vraiment étrange. Mais à date ça va bien, j'ai juste le... Je sais pas si ça se voit là, mais direct là on... je suis trop reculé. Faudrait que je sois... Oh, je viens d'avoir un petit peu le vertige. Faut que je fasse attention là de ça aussi. Il y a personne là, donc on peut faire ça au moins. Mais ouais, je sais pas si je pourrais m'avancer un petit peu. J'ai un piton qui est supposé de m'arranger ma tête, donc si je fais ça... Ah non, faut que je fasse ça. Ok, là je suis comme assis dedans, là c'est comme si... Ah ouais, ok, excellent. C'est quoi la limite? J'assume que c'est 90. Faudrait que je me mette de même? Non. Comme ça. Ok. Non. Comme ça. Ok, la limite, elle est... J'imagine c'est qu'elle est 80. Donc, on va mettre le régulateur à 80. Oh, une police qui vient d'arrêter quelqu'un. Oh. Ok. Toi, t'as juste décidé de freiner. Je comprends, la police était là pis tout, mais dude. Ok, on va à 80... On dirait qu'on va pas très vite. On va à 75. Je peux-tu me tasser à droite? Oui. Ok. C'est où ce qu'on s'en allait? On s'en allait en Suisse. À Zurich? À Lyon? Je me rappelle plus. Ok. Limitateur de 80,5. On est bon. Voilà. Oh, là, je peux regarder le paysage puis je conduis. Puis non seulement ça, mais parce que c'est tout dans ma... C'est dans ma vue périphérique. C'est ça le mot? Je me rappelle plus. Mais c'est comme du coin de l'œil, donc je suis toujours en train d'un petit peu regarder la rue, puis je suis pas en train de paniquer. Là, la vraie question serait si j'avais mon téléphone, si je pouvais regarder mon téléphone puis regarder vos commentaires. Mais je sais pas, c'est quoi vos commentaires? Je sais pas comment faire ça. Ah, oh, puis mes joues, ils font mal, parce que j'aurais pas de sourire, parce que c'est toute une expérience. Ce serait bien le fun de voir les tournesols qui nous regardent tout le temps aussi, de voir qu'est-ce qui se passe avec eux en VR. Est-ce que je peux lire les signes ou les pancartes? Air du Front Holds. J'imagine que oui, parce que je viens de le lire. Cool. Air du Front Holds, c'est où ça? C'est quoi que tu es en train de dire là? Je peux lire tous les pitons! C'est le montant de détails. Honnêtement, là, c'est vraiment, vraiment cool. C'est dommage qu'au loin, il y a un petit peu de difficulté. Puis il y a un petit peu le frame, il vibre un petit peu, puis tout aussi. Puis... Mais regarde, en tout cas, je me plains pour rien. Honnêtement, là. Honnêtement, c'est quand même pas pire. C'est juste... C'est... Si vous demandez pour taponner ça pour que ça fonctionne, là, c'était du taponnage, hein, s'il vous plaît. Parce que ça fonctionnait à moitié au début, puis il faut t'installer un bêta, puis après ça, il faut t'installer un autre bêta. Pardonnez-moi, je viens de donner une claque à mon micro, que je sais même pas s'il est dans la caméra ou non, parce que je peux absolument rien voir. Mais, ouais, c'est tout un chiard. Putain, la limite est 80, c'est confirmé. Mais une fois que ça fonctionne, mais c'est clair que c'est encore un bêta, puis je sais pas s'il regarde à l'améliorer. À travailler dessus, mais il y a des petits bouts comme le long de la rue, de là, entre la rue et le miroir, la barrière au loin. Je suis en train de pointer comme si vous pouvez voir c'était à quoi je suis en train de pointer. Même moi, je peux pas voir ma main. Mais croyez-moi, c'est...
Il y a des petits défauts d'artefacts. Donc, il y a des améliorations qu'ils peuvent faire. Absolument. Mais c'est pas mauvais. C'est honnêtement pas mauvais. Tout ce que j'aurais besoin maintenant, ce serait une chaise qui recule quand j'accélère puis qui penche par en avant quand je ralentis. Comme ça, ça ferait à ce que je... Oh! 80 fini, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tout le monde va commencer à ralentir? Je sais pas, mais moi, je me tasse à gauche. Mais ouais, une chaise qui penche par en avant quand je ralentis. Comme ça, ça filerait vraiment comme si j'étais en train de conduire. Puis je suis en train d'accélérer, puis ralentir, puis qui cante aussi. Ça serait quelque chose, ça. Hey, tu fais-tu, ouais, tu fais-tu par exprès, toi? Ah, je peux regarder les gens dans leur fenêtre. Ah, mais là, je peux pas parce que... Ah, c'est trop cool. Ah, c'est trop cool. Oh, pardonnez-moi, le micro encore une fois, là. Oh! Ouais, non, là, c'est moi qui est en train d'être le truc cul, là, parce que je suis à gauche, là, je devrais pas être à gauche. T'as raison. Puis là, attends un petit peu, là, parce que là, les tournants serrés, ici, là. Y'a-tu quelqu'un d'autre qui s'en vient à droite? Oh, la police! La police qui s'en met du gaz. Avec la station de gaz sur l'autoroute, bien sûr. On doit être en Allemagne. OK. On va se retasser. On est-tu en Allemagne? J'ai pas vu... Non, Suisse. On s'en va vers la Suisse. Est-ce qu'on passe par l'Allemagne avant? C'est un tunnel, ça? Oui, puis c'est le début de la Suisse. Premier tunnel en télévirtualité. OK, la limite, elle est... Je sais pas. C'était pas une limite. Mais voici, on entre en Suisse. Là... Donc, on est maintenant en Suisse et on passe en dessous de cette usine-là, ça a de l'air. Donc, tout le monde ensemble, bien sûr. Oh, faut que j'allume mes lumières. Tenez la gauche, continuez tout droit. Faut que je tienne la gauche puis je continue tout droit. OK, on est rendu en Suisse. Oui. Pour allumer les lumières, il a fallu que j'aille trouver mon clavier est quelque part en avant, là. Il a fallu que j'aille le trouver pour appuyer dessus les touches, puis il a fallu que je devine où ce qu'étaient les touches, mais j'ai de l'air... Oups! J'ai de l'air à l'avoir eu. OK, là, ici, il y a beaucoup de monde, je trouve. Qu'est-ce que vous faites ici, là? Il y a un tunnel en face, puis il y a beaucoup de monde. Aria, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh! On va ralentir un petit peu. On va ralentir juste un petit peu. Ouais. C'est ce que je pensais. Il n'y a personne en avant de toi, puis tu ralentis. Bien sûr. Oh! OK, j'ai bien fait de ralentir, parce que c'est là comme s'il y a la grosse construction ici. Qu'est-ce qui se passe, toi, là? Pardonnez-moi si j'ai le micro dans la face, là, mais c'est parce qu'il est dans le chemin un petit peu, là. OK. On s'en va de l'autre bord, ça a de l'air. Oh! Oh, le jeu, il saccade. Oh, ça file drôle. Je sais pas si ça va apparaître, ça, dans l'enregistrement. On est bon, y a pas rien qui a fait ce rien, ok. Shit! J'ai pas pris mon souffle! J'étais pas en train de porter attention! Merde! Bon ben... J'étais distrait! Je suis pas habitué de jouer dans un monde 3D! Mais bon, je vous laisse décider si j'aurais dû garder mon souffle. Je vais vous laisser décider le... Le comment on avait ça là? Asti. Je devrais me faire réprimander ou la punir ou quelque chose de même là donc. Je vous laisse décider c'est quoi que je dois faire dans le prochain épisode parce que ouais, j'ai pas gardé mon souffle cette fois-ci. Maudite merde. Si j'ai remarqué juste en retard un petit peu. Si j'avais porté attention un petit peu plus, je l'aurais remarqué puis j'aurais été bien correct. Bon ben ça c'était le fun. N'en parlons plus. Qu'on retourne en France ou quelque chose de même. Bien sûr, on est au début de la carrière de ma tante, donc les trajets vont être très courts. Donc je vais peut-être faire deux trajets dans cet épisode-ci, mais... Continuez tout droit. Je garde la gauche, ok. Allez tout droit. Je vais tout droit. Mais, ouais, au début, là, ça va être des trajets très courts, puis tout. Parce que, bien sûr, c'est une nouvelle carrière. Mais je veux regarder combien que je peux faire pour... puis je ferai ça dans le prochain épisode, là. Des prêts que je peux prendre. Toute ville que je visite, je veux découvrir le garage. Je veux commencer juste à pondre des garages partout ou acheter des garages partout. Et puis commencer à embaucher des chauffeurs partout, là. Comme ça, j'ai plein de gens qui commencent à rentrer de l'argent pour moi, là. Parce que ma tante, elle va pas... OK, tout va bien. On va pas niaiser, là. Pas comme mon oncle. Mon oncle, il niaisait un petit peu. Il s'amusait un petit peu trop à parler en conduisant, pis tout.
Ok. On doit être à veille d'arrivée. On s'en allait à Zurich ou on s'en allait à Genève? On s'en allait quelque part. C'est Zurich. Si elle me dit de tourner à droite, c'est parce qu'on s'en allait à Zurich. Tenez la droite et tournez à droite. Et voilà. Tenez. Je sais pas si vous l'entendez, vous. Bien sûr, j'ai testé un petit peu l'audio, là. Mais je sais pas si... Oui, je tourne à droite. Mais je sais pas si ça fonctionne. Il y a l'air d'avoir un building rouge, là, en face. Oh, je farte! Cool. Ok. Pourquoi tu freines dans la côte? Si tu freines dans la côte en descendant de... En arrivant d'une autoroute. Tu parles d'une connerie, toi. Parlant d'une connerie, une rue où ce que la limite est 80, puis il y a plein de tournants de même, là. Ok, là, la limite est 50, ça fait un petit peu plus de sens. Oh, je trouve que ça tourne serré pour moi avec mon hostifi de gros... chose en arrière, là, ma grosse remorque, là. Je suis un petit peu dans la ligne. Excuse! Mais il est gros, le camion. Et on est rendu à Zurich! Yay! Ça va-tu dire... découvert Zurich? Non? Ok. Faut qu'on check la map pour voir c'est où le garage pis tout. Ouais! Ok, ça paraît en là pour quelque raison. Ok. Oh! 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 Qu'est-ce qu'on vient de foncer dedans? Je pense que c'était juste le trottoir un petit peu. Tout va bien. Oh, il y a l'air d'avoir un gros barrage là-bas ou un gros building pis... Voyons. Il y a quelque chose par là-bas. C'est la première fois que je viens à Zurich? Je pense que c'est la première fois que je viens à Zurich dans le jeu comme tel. Pas seulement juste en tant que ma tante, mais en tant que joueur de Euro Truck Simulator. Huh. Il y a des astifis de gros ponts, on dirait qu'on est allé changer de Turcotte de Montréal, sérieux. Ah! Ok, j'ai eu le temps de freiner, je pense. Je pense que j'ai... Voyons, j'arrête pas de donner des claques à mon micro, pardonnez-moi. Avance. Je pense que j'ai, je vois beaucoup plus, ou je porte beaucoup plus attention quand c'est dans ma face. Je l'ai vu beaucoup plus en avance que je pensais. Hey, madame GPS, faut-tu que je tourne à gauche ou à droite à un moment donné, moi, là, là? Hello? Tenez la gauche, puis tournez à gauche. On va faire ça. On va tourner à gauche, puis on va tourner à gauche. C'est ça? Non, ça, c'est un concessionnaire. Je vais tourner à gauche. Hey, Transnet! Comment ça va? Si je reviens pas. Les. Comme j'ai dit, tout est énorme, hein? Tout est gros. J'imagine qu'on va garder la gauche. Et puis, les intersections sont. Tu veux que je tourne à droite? Les intersections sont énormes. Je tourne à droite. Je pense que c'est fait par exprès, comme ça, les gens, ils pognent pas le bord, là. Mais sérieux, c'est beaucoup plus gros que je pensais. Il y a un train là. C'est trop cool. Ok, à gauche. Mais ça, c'est une affaire de job. J'ai trouvé une place où je peux embaucher des chauffeurs. Ah! C'est quoi ça disait ça? Je portais pas. C'était comme dans ma face. Je portais pas attention. Tournez à gauche, c'est. J'imagine que ça ici, c'est où je rentre. Je suis arrivé. Excellent. Merci, Michel. Le nom de la madame quand tu choisis, c'est Michel. Ok. Appuyez sur... C'est comme dans ma face! Sur une touche pour choisir mon emplacement. Ok. Enter. Oh! Désolé si c'est gros dans votre... Ok. Bien sûr, on va aller pour le plus grand XP. Ça, c'est parce que... Ok. Oh! Comment je vais faire ça? Ok, attendez un petit peu, là. Je suis capable. Je peux pas tricher avec la caméra par-dessus, là, parce que je suis dans le camion. Donc, il faut que je prenne à le faire. Donc, va-t'en, toi. Va-t'en. Ok, faut que j'utilise mes miroirs. Avance. On va stationner. Là. C'est où? Hop! Ok. Il faut que je figure pourquoi j'ai une affaire de même lorsque tout disparaît, là. Mais je pense que. Oui, direct là. Ok. Comment qu'on fait ça? Je suis reculant? Oui, je suis reculant. Ok. Faut que mes fesses. Aille tout droit, mais là je suis croche. Donc c'est comme s'il fallait que mes fesses aillent par là. Donc moi je vais tourner par ici. C'est ça? Je sais pas si ça. Je pense pas. Non. Non, ça fait pas de sens. Daniel.
Corrige. Reviens ici. Ok, puis on réessaye ça encore. Faut que mes fesses aillent... par là? Je peux même pas voir mes fesses, c'est tout flou par là-bas. J'essaye de voir comme il faut, là, mais c'est flou. Ok. Ça se peut qu'on soit ici pour un bout. Ok, on va juste essayer d'aller tout droit. On va tourner à gauche pour voir qu'est-ce qui arrive. Tantôt, on a tourné à droite. Ah oui, ok, parfait. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. On va mettre ça tout droit. Ok, tout droit. Si j'ai aucune idée. Là, je vais vouloir que mes fesses aillent par là. Hein. Donc, moi, il faut que je tourne par là. Je suis tellement stressé. Je sais même pas si je suis dedans. Je pense que je suis dedans. Je pense. Je pense que je suis trop dedans. Oh. Oh, et où la barre? Oh! Je suis proche. Ok. Toi, t'es vraiment pas à bonne place, toi. Si je peux pas. Ok, je suis R1. Non! Non, je veux pas R1. Je veux aller par en avant. Par en avant. Sérieux, tu peux-tu t'en aller, toi? Je veux pas passer au stationnement automatique. Je suis en avant. Oui, ok. Donc, on va juste aller par en avant. Allez, la prochaine étape après ça. La prochaine étape après ça, ici, c'est un vrai de vrai camion, là. Par en avant, par en avant. Par en avant. Je peux voir avec le miroir d'être là. Comment proche que je suis du bord. Ok. Puis là, je veux que mes fesses aillent à gauche. Donc, moi, je dois tourner à droite. Parfait. Oui, 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 oui. Ok, parfait. Tant que je peux regarder là. Puis que je garde ça là. Je suis bon. Non. Asti, à chaque fois que... Si j'éternue un petit peu, là, aussi... Non, toi, fous-moi à peine. OK. Tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit, tout va bien. Tout va bien. Peut-être la première fois que je stationne un vrai de vrai camion. Je veux que les fesses aillent par là-bas un petit peu. Juste pour dire, pas trop. Parce que je suis dessus de la ligne un petit peu. Oh, shit. Shit. Je me décroche. Donne-moi le ding. Donne-moi le ding. Non. Non, bon. Oui. Ding. T. Yumo. Yumo. T. Dételage. Débranchement. Yes. Wouhou. Ah. Est-ce qu'on a un nouveau niveau? Oui. Super stressant! Ok! Continuez! Qu'est-ce qu'on veut? Je veux de l'argent, je veux des longues distances, comme ça je peux faire des plus longs trajets, s'il vous plaît, appliquez. Merci beaucoup. Restez en contact avec vos garages. C'est beau, oui. Carte du monde, voyons voir où je suis en ce moment. J'étais à Zurich. Oh non! Merde! Je ne suis pas à Zurich. Il y avait un garage direct là aussi. Je suis pas à Zurich parce que j'ai pas de camion encore, faut que j'achète un camion. Ok! Combien ça coûte un camion? Non, non, fais pas ça, Daniel. Dans le prochain épisode, quand j'aurai pas ça sur la tête. Mais là, pour le moment, en passant, parlons un petit peu de ma tante. Donc, ça, c'est ma tante, drette là. Bonjour, ma tante. Comme vous pouvez voir, elle est un petit peu décalissée de la vie. Mais c'est correct, parce que mon oncle aussi était un petit peu décalissée de la vie. Non seulement ça, mais son logo est ici à droite. C'est une empreinte de pneu. Parce qu'elle a sa encolisse du monde, puis elle va vous écraser si vous êtes dans le chemin. Donc, tassez-vous, OK, là. Puis, là, bien sûr, le nom de sa compagnie, c'est ma tante Troc, comme vous pouvez voir. Et aussi, comme vous pouvez voir, elle aime les camions noirs. C'est la raison pourquoi c'est un camion noir. Tandis que mon oncle, lui, il aimait les camions rouges. Ma tante, elle aime les camions noirs. C'est pour ça qu'on le voit un petit peu en arrière, là. Route 66, pis tout. Bon. Marché du travail. Une mission rapide. Prenons une autre mission rapide. On peut partir de Zurich, maintenant. Et ça donne comme si on s'en va à Genève. Non. Je veux pas vraiment faire ça, parce que... Faut pas être méchant, là. Mais, je veux pas vraiment conduire en Suisse. Les routes sont comme la vieille Allemagne. Donne-moi quelque chose qui va quelque part d'autre. Tiens, Luxembourg. On va aller à Luxembourg. On s'en va à Luxembourg, littéralement. On va apporter des palettes vides. Excellent, ça me semble bien ça. On va apporter quelque chose de vide. Oh, la caméra est différente un petit peu, c'est étrange. Ah, OK. Oh, lui, j'ai peut-être un vrai de vrai GPS. OK, attends un petit peu. Faut que j'enlève ça, là. Donc, donnez-moi 2 secondes. Cette touche-là. Comment je l'enlève, basculer les modèles, permettez... Non. OK. Oh, wow. Oh, ça lève le cœur, ça. Allume. Ah! J'ai un GPS maintenant, donc je peux regarder mon GPS. OK, la madame a dit temps d'aller travailler. Tu as absolument raison, madame. J'ai-tu mon affaire déjà attachée? Je
Je peux pas voir. Je peux voir là. Il est là. Ok, parfait. Let's go! On s'en va par là-bas. On est en train de conduire un truck. Pour de vrai, presque, mais pas. C'est ben... Ah, oh, ils ont changé la chanson. Ok. No shit, tournez à droite. Tout va bien? J'ai pas rien foncé à rien? Non? Ok, excellent. Je vais tourner à droite, madame GPS, merci beaucoup. On part encore une fois de Strasbourg, là, hein? Oui, je sais, je tourne à droite. Ça dit céder le passage. Si je peux lire l'écriture, c'est pancarte. C'est trop cool. Ok, attention, moi j'y vais. Je vais prendre toute la place que j'ai besoin parce que c'est un assez gros camion. Bye Strasbourg! Tourne à droite encore une fois, on s'en va comme dans la même direction, on s'en va à Stuttgart! On s'en va conduire en Allemagne! On va essayer d'avoir assez d'argent pour s'acheter un camion. Ah oui, on va être capable! J'ai le gaz à fond! On va être capable! Go, 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 pousse! T'es capable de monter la côte? Je devrais peut-être mettre mes 4 flashers, mais je me rappelle plus c'est Capiton pour les 4 flashers. Tiens, c'est celle-là. Ok, faut que je garde la droite. Ça a l'air. Parfait. Bon. Bye, Strasbourg. Bye. C'est fun, je peux... Ah! Tenez la droite et sortez à droite. Je peux regarder un entour sans avoir peur. Wow! Sortez à droite. Ok, je devrais peut-être avoir peur si je regarde pas en avant. C'était quoi, ça? Je suis un multi sans le savoir? Je pense pas. Wesh, ok. Bon. Strasbourg, Mannheim. Non, moi je veux. Faut que je me tasse à gauche. Char, laisse-moi. Ouais. Tenez la gauche. Oui, hein. Char, laisse-moi. Il y a un char qui essaie de me dépasser depuis tantôt. Pauvre lui, je l'ai carrément comme tassé, là. Mais tiens. J'imagine qu'il fallait pas aller à Mannheim. Parce que si oui, ben, trop tard. Ah, c'est tellement reposant. Attends un peu, j'ai besoin de mettre mon régulateur de vitesse parce que sinon elle va me chicaner, là. Tiens, 84. C'est comme conduire pour de vrai, mais c'est un petit peu moins stressant parce que s'il y a un accident, hein, c'est pas de ma faute. Ben, non, c'est peut-être de ma faute, mais il y a pas de... Je vais peut-être... c'est pas moi qui va briser le char à quelqu'un ou ma vie est pas en danger, c'est ça que je veux dire. Là, tu vas vouloir essayer que je me tasse à droite. Est-ce que quelqu'un s'en venait à droite? Oui. Je pense que je vais regarder mon miroir avant de me tasser à droite. Parce que sinon, tu t'aurais fait écraser, mais pas à peu près chose. Bon. Si on s'en va à Stuttgart, on va peut-être aller voir les tournesols. Non, il avait enlevé les tournesols avec la nouvelle mise à jour de l'Allemagne. Il n'y en a plus maintenant. Ça dit quoi? 110! Ouais, non, on est correct. On roule à 84. On est bien correct à 84. Si vous permettez un petit moment inconfortable, silencieux. Ou un petit moment silencieux, inconfortable. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. C'est supposé être un petit moment inconfortable, silencieux, madame. J'imagine que j'allais trop vite parce qu'on était en train de rentrer dans le poste de péage ici. Salut! Oh! Début de la patente de péage, ok. C'est tellement dans ma face ici, ça faudrait que ce soit là. Mais, hey. Toi, j'imagine que je suis supposé te laisser passer. Ouais, vas-y, 8 ans. Ça doit être plein d'huile, ça. Je veux pas vraiment avoir d'accident avec toi, là. Bon, ben, en route vers Stuttgart. Donc, j'imagine vers la... Non, on s'en va pas à Stuttgart. Si, on s'en va au Luxembourg. C'est juste que les pancartes disaient Stuttgart. C'est pour ça que je me suis mélangé. On s'en va pas en Allemagne, mais pas du tout. Pardonnez-moi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je suis trop excité. Check les belles montagnes au loin. Les belles maisons au loin. Ça, c'est quoi? R de... quelque chose. Saverne. Cool. C'est quoi la limite? 90? On se met à... J'aimerais ça me mettre à 85 comme tantôt, là. J'adore le fait que je peux littéralement lire. C'est dommage que je peux pas...
Je vais vous dire, c'est dommage que je peux pas peser ces pitons. Mais c'est peut-être une bonne chose que je peux pas peser ces pitons, parce que j'aurais pas donné des claques à mon micro. L'audio pour cet épisode-ci va être horrible. Scoop! Ouh, ça a de l'air bon, ça. Ah, bon. Il y a quelque chose qui manque dans mon vrai char, moi. C'est un régulateur de vitesse, un genre de cruise control, là, ce serait le fun d'avoir. Mais là, au moins dans mon oncle truck, dans ETS, il y en a. Bonjour! Tu touches... J'essaie de voir sa main pour voir s'il a touché au volant. Je peux voir dans les autos. Le détail est vraiment là, honnêtement, là. C'est trop cool. OK, je pense qu'il y a un tunnel qui s'en vient, donc on va porter attention cette fois-ci. On va pas devrait garder notre souffle, pas faire comme la dernière fois. Donc, si vous permettez... Ça, c'était-tu la police? OK. Oh non! Il n'y a pas de tunnel, c'est juste un... Un joli canyon. Ah, c'est cool, ça! OK. On est où? Ça existe-tu pour de vrai, cette place-ci? J'imagine que oui, parce qu'on doit être en France quelque part. C'est où ce que, entre Strasbourg et Luxembourg, qu'il y a un gros canyon par lequel l'autoroute, la A4, elle passe? OK, check ça. Il y a des oiseaux dans les airs là-bas. Toi, tu dis quoi? Mannheim, dans 200 mètres. Bonjour, tout le monde me dépasse. C'est correct si tout le monde me dépasse. Je suis en train de me reposer. Un bon petit mononcle truck relax, là. Parce que je suis vraiment dans un camion, on dirait, là. Comment que je fais les wipers? Non. Oh, non. Non, non. Attends un petit peu. Comme ça. J'imagine que j'ai pas encore fait ces pitons-là. Ok, attends un petit peu. C'était P, hein? Je veux voir de quoi ça a l'air. C'est pour ça que je veux le faire, là. P? Ha ha! C'est niaiseux, quelque chose de même. Ça me surprend. Pas ça me surprend, ça me... Si je peux voir les détails, pis tout. Ok, faut que je l'éteins, là. Je suis en train de... Comment que je l'éteins? Ok. Oh, 70, ralenti. Bien sûr, un poste de péage. Je vais vous dire, donc, à date, pour ce casque-là, ça fait une couple de jours que je l'ai seulement, là, puis à part du setup, qui prend beaucoup, beaucoup de temps à faire, je pense que les affaires que j'ai testées, je voulais voir si je pourrais faire... Hein, c'est le même gars que tantôt, ça. 34€, ok. Je voulais voir si je pouvais faire Flight Simulator là-dedans, parce que Flight Simulator, aïe aïe, dans une affaire de même, là, ça serait écœurant. Malheureusement, soit mon ordinateur est pas assez puissant, ou le jeu comme tel est pas encore... ou ce qui devrait être pour Flight Simulator. Donc, ouais, on n'est pas encore rendu là avec Flight Simulator, mais les affaires de test de Half-Life ou de Valve, il y a plein de mini-jeux puis tout, là, puis c'est toute une expérience. C'est toute une expérience. Si vous avez la chance, ou si vous connaissez quelqu'un qui en a un, là, ou, la première fois que j'ai testé quelque chose de même, moi, en fait, c'était au Saint Eaton. C'était avec PlayStation, il était en train d'en faire tester. Il trouvait du monde, il disait « Hey! » Venez tester! Donc, on est allé tester juste pour le fun pendant une heure du lunch au travail. Mais si vous avez la chance, je l'encourage fortement. C'est quelque chose qu'il faut vivre ou faut tester au moins une fois. C'est quelque chose. Luxembourg Metz. Cool! On s'en va justement dans le coin de Luxembourg Metz. Sur vous là? Oui. Oui, madame. C'est le fun d'avoir une petite voix là, dans les oreilles qui dit où aller puis tout. Donc, on va aller par ici. Je vais. Oh! Trèfle à quatre feuilles! On va le faire en on va faire... Non! Je continue tout droit. Yes, un nouvel itinéraire. On va faire ça en VR, c'ti. On va faire le trèfle à quatre feuilles en VR. OK, ça se peut très bien que je me sens malade après ça. Oh, des montagnes russes dans ça! Est-ce que Planet Coaster, ça fonctionne avec ça ici? Je sais pas encore. Faudrait que je check. Probablement pas. Oh mon Dieu, je commence à me sentir malade. Parce que... Oh wow! Parce que ton corps, il est habitué de tourner quand tu tournes, mais tu tournes pas! Donc là, ça fait... Les yeux, ils voient quelque chose de différent. Qu'est-ce que le corps, il fait, pis tout. Je pense qu'il faut juste que... J'essaie de regarder le miroir là-bas parce que je veux pas foncer dans un poteau non plus, là. Mais en même temps, je pense qu'il faut que je regarde par en avant. Donc juste essayer de garder ma roue gauche sur la ligne blanche. C'est juste ça que je vais essayer de faire. parce que... Oh! Surtout, une fois qu'on est dans le tournant, c'est bon. Mais en rentrant dans le tournant, puis en sortant du tournant, c'est là où que mon cerveau puis mes yeux, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Il y en a un qui dit « Hey, tu devrais être en train de te pencher. » Puis l'autre qui dit « Pourquoi tu te penches pas? » Ouais,
Je pense pas que... Oh, ce serait tout un défi, ça, par contre. Je pense pas que je pourrais jouer avec ça ici pour bien longtemps, là. Ou pour toujours, là. Mais un défi, ça serait... Mon oncle Truck sous avec ça. Ce serait pas une bonne idée. C'est quoi la dernière fois? La dernière fois, je pense que j'ai bu 4 bières, puis j'avais la tête qui tournait. Hey, toi t'as cédé, hein? Moi j'ai pas cédé, mais toi t'as cédé. Tu vas-tu céder? Il a cédé. Good. Mais ouais, ce serait quelque chose à essayer. Bon. On est bon. Cool! air d'entrange. C'est étrange, ça, un air d'entrange? Pourquoi ça s'appelle pas l'air d'étrange? Ok. Je sais pas trop quoi d'autre vous dire, honnêtement, là, c'est étrange, c'est le fun. Les chars, ils vont vite. Moi aussi, il y a une police là. Qui est juste debout. Qu'est-ce qui arriverait si je foncerais dedans? Pas que je veux, là, mais je suis curieux. Comme est-ce que les personnages dans le jeu sont aussi solides que les cônes, pis ces genres de choses-là, ou est-ce que t'arrêtes sec quand tu fonces dedans, ou est-ce que les... Reste là, toi, fonce-moi pas dedans. Ou est-ce que les personnages, ils sont mous, ou peut-être transparents. Pas transparents, là, mais tu peux juste passer à travers. Peut-être c'est plus de même, je sais pas comment ça fonctionne. Faudrait le tester à un moment donné. Ok, ici, on est en train de rentrer dans le pays... J'imagine que c'est Luxembourg, là. Rouge, blanc, bleu. Il y a beaucoup bleu, blanc, rouge, hein? Oh, ok. On va. C'est quoi tous les drapeaux, là, bleu, blanc, rouge? Il y a la France, la Russie, le Luxembourg, on vient d'apprendre, le Royaume-Uni. Puis c'est pas besoin d'être comme des lignes bleu, blanc, rouge, là, mais juste tous les drapeaux avec ces trois couleurs-là, là. Je trouve que l'allée ici, elle est très petite. La limite, elle est 50. Il n'y a personne là. On est bon. Ben, voilà, tout le monde, on est rendu au Luxembourg. Est-ce que quand on est au pays, on dit « oh » puis quand on est dans la ville, on dit « ah » Je sais pas comment ça fonctionne. Nous, c'est le même, je pense. T'es au Québec ou t'es à Québec. Quand t'es à Québec, c'est la ville de Québec. Parce que la lumière est énorme. Dans le jeu, dessus un écran, la lumière est mini. Mais là, elle a de l'air comme... mon dieu, je t'ai pas dire grosse comme mon bras, mais honnêtement, plus grosse que mon bras. Une lumière a de la grosse comme ma tête, c'est vraiment quelque chose. Bon, on va voir ici, tu peux faire qu'on tourne à gauche. Ok. Prenez la troisième sortie. Ok. Au rond-point, prends la troisième sortie. Parfait. Si quelqu'un s'en vient, là, il y a un miroir dans le chemin, ici. Ça, c'était un commentaire que j'avais vu. Azurti avait fait le commentaire, avait découvert que l'auto qui m'avait foncé dedans, en fait, était caché par ce gros miroir-là, là, dans un accident dans le dernier épisode. Puis oui, c'était très vrai, ça. OK. Je vais absolument rien découvrir ici, moi, là. Allez tout droit. Je vais, mais la lumière, elle est rouge. Bonjour! Bye! Je peux voir la radio aussi. Si c'était pas trop flou, je pourrais lire la plaque dessus le char. Oh! C'est cette chanson-là. Non. Ça commence pas tout de suite. Mais tout le monde ensemble, vous la connaissez? On espère que l'audio est synchronisé. Parce que sinon, ça fait drôle. Ok. Oh mon dieu, toi tu veux que je rentre ici, puis je rentre là. Tenez la gauche, tournez à gauche. Yes, ma'am. Pam, 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 pam. Une belle balade. Elle a dit, ce fut une belle balade. T'as absolument raison. Ok. Tu m'as juste trouvé mon clavier. Et puis faire Enter. Ah! Ok, je veux celle-là. Ok, c'est là où ça va. Parfait. On est ici, puis
On va stationner, pis vous allez voir que je suis pas bon à faire ça, mais... Oh, la chanson est finie. OK. On va voir comment on va faire ça. Là, je veux que mes fesses restent où ce qu'ils sont. Shit. Je veux que mes fesses aillent par là. Donc, moi, faut que je tourne. J'ai pas... Non, OK, le micro est encore allumé. Ça enregistre-tu encore? Oui. Hello! OK. OK, faut que je stationne ça, là. Donc, par là. Je pense que la réponse, elle est oui. Oui, parce que c'est direct là ce que je veux qu'il y aille. OK. Puis après ça, tourne. Oh, mon Dieu. Je peux rien voir. J'aurais besoin de quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui peut aller en arrière? Juste me guider, s'il vous plaît. Je peux pas rien voir. OK, ça, c'est pas ce que je m'en vais. Attention. Juste le voir. OK, je pensais que j'avais un accident, mais non. Juste le voir dans ma fenêtre ici. Ah, ben, checkez ça. Ha! OK, je suis pas du tout en ligne. Je pensais que j'étais en ligne avec. Je suis pas du tout en ligne, mais au moins, je le vois. Au moins, je le vois. Toi, t'es vraiment dans le chemin. On va aller par en avant. On va peut-être rentrer dans la rue ici un petit peu, là. Tant que j'avance lentement, ils vont pas me foncer dedans, hein. Juste pour... prendre mon camion droit, là. OK. Je veux que mes fesses aillent par là, donc moi, je dois tourner par là. Hop! OK, parfait. Faut vraiment que j'utilise ce miroir-là, hein, parce que l'autre, il est trop loin, puis il est trop flou, puis je vois absolument rien. Mais celui-ci, au moins, je peux voir un petit peu de shit. Si mes fesses s'en vont. Mes fesses s'en vont toujours pas à la bonne direction, là. Je veux que mes fesses aillent par là, donc moi, il faut que je tourne par là. Hey! Tourne. Je suis pas avec de foncer dans rien, moi, là. Non? OK. Ouais, c'est ça. C'est ça, Daniel. Continue. Parfait. Oui. Cramp. C'est ça. Lâche pas. Cramp. Oh! Ah! OK. On est peut-être un petit peu trop. Si je vais de même. Juste pour dire, on va essayer de se replacer, là. OK. Je sais pas où la barre, la ligne. Je l'ai entendu, on l'a eu! C'est tellement plus facile. Excusez-moi, c'est tellement plus facile de même. Il est où le T? T. Vous pouvez pas voir, moi non plus, je peux pas voir mon clavier. T. As-tu fait T? Yes! 240 km, 3h44. On a-tu un nouveau niveau? Non! Bouh! Wow! Hey, toute une aventure, ça laisse-moi vous dire. Toute une aventure. Donc, voici Carte du Monde. Strasbourg, Zurich. On va continuer à découvrir alentour un petit peu. On se rend au point où on se connaissait d'argent pour s'acheter des nouveaux camions, etc. On est rendu à 7000 euros. Puis j'imagine que la seule chose que je peux faire ici, c'est venir prendre la banque. Mais vous voyez, je peux emprunter jusqu'à 100 000. C'est beaucoup, ça. Mais bon, on fera ça dans le prochain épisode. Laisse-moi vous parler d'un yeux, là. Fait chaud là-dedans. Donc, je vais juste... Faut qu'il reste dans la place, là, mais... Tiens, on va l'utiliser comme une caméra. On peut regarder le camion. J'espère que vous aimez ça. Merci beaucoup, tout le monde. Oh, non! Je pense que l'audio est peut-être trop fort. Là, je suis en train de regarder les sites, là, puis ça va dans le rouge un petit peu. Pardonnez-moi si c'est le cas. C'était pas le cas quand j'ai fait mes tests tantôt. Mais bon, c'est ce que c'est. Prochain épisode, on va être de retour à la normale. Laisse-moi savoir si c'est quelque chose que vous voulez qu'on réessaye. Peut-être avec un petit peu d'alcool la prochaine fois. J'ai peur que ça me rende malade, mais... Il est où mon camion? Il est là, mon camion. Mais le menu est dans le chemin. Mais ouais, c'était Mononcle Truck ETS en télévirtualité. Toute une expérience, laisse-moi vous dire. Toute une expérience. Mais je vous dis merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté, et puis comme toujours, je vous dis à la prochaine. Bye là. Comme on est en train de dire bye, bien sûr, merci à tous ces gens-là que leurs noms sont à l'écran. C'est les membres, et les membres supportent la chaîne financièrement, donc merci à vous. C'est le fun que vous soyez là.